Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Comme d'hab, aujourd'hui je te présente le tout dernier pack de chez Puma, le Forever Faster Pack. Et je peux te dire qu'il envoie du pâté. Allez, c'est parti. On va commencer cette présentation avec la pépite pour les joueurs qui aiment la vitesse. J'ai bien évidemment envie de te parler de la Ultra. Voilà à quoi ressemble la nouvelle Ultra du pack Forever Faster. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On est sur un orange. Orange. Tout simplement. Avec un form stripe bien noir et un talon bien rose. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir ensemble, mais je trouve que ça se marie plutôt bien. Les bandes de power tape qui sont à l'intérieur de la chaussure, que là tu vois très très bien, ont cette couleur rose. Le même rose que tu as sur le talon. Tu vois ce détail là à l'intérieur de chaque strie de la chaussure. Et ça, j'aime beaucoup aussi. C'est ces petits détails là qui font que au final les trois couleurs se marient plutôt bien. Et en plus de ça, le rose vient aussi se positionner au niveau des crampons. Très très joli modèle. Au niveau technologique, mon soldat, ça ne change pas par rapport au pack précédent, la Ultra bien rose fluo, qui était bien mignonne. A few moments later. Qui ressemble tout simplement à ça. Là, on était vraiment sur un vrai rose. D'accord ? Là, c'est pas le même rose. On a un rose un petit peu plus clair. Il est un peu plus clair, j'ai l'impression. Il est un peu plus clair. Mais bon, ça reste un rose. Mais là, c'est un vrai rose bien fluo qui a très très bien fonctionné avec ce noir. Bref, on n'est pas là pour parler d'elle. Tout simplement pour te dire qu'il n'y a aucune différence technologique entre ces deux pépites, que ce soit le Forever Faster ou le Phenomenal Pack. Ça ne bouge pas. Bande de port tape sur l'intérieur. Form stripe qui est présent, mais qui est juste différent d'un point de vue esthétique. On est sur la même semelle speed plate. Voilà, on est sur les mêmes matières utilisées de A à Z. On a toujours le nano grip technologie à l'intérieur pour avoir un bon maintien. Et c'est pour ça que Freepong est trop fort avec le Bayer Leverkusen. Tout simplement. Rapide, dynamique, casse des reins, la Ultra. Allez, on enchaîne. Ensuite, on reste en Allemagne avec les joueurs ambassadeurs. Et là, cette fois-ci, je vais te dire Xavi Simons. Si je te dis Xavi Simons, je parle bien évidemment de la King. Voilà à quoi ressemble la King du Forever Faster Pack. Pareil, même couleur. On est sur un orange additionné avec un form stripe en noir et des petits détails roses qui sont présents au niveau du liseré juste ici, à l'intérieur de la chaussure et sur la semelle. Tu le vois un petit peu le rose. Là, tu vois, il était un peu de rose ici, t'en as un peu ici et t'en as ici. Le rose est un petit peu moins présent sur la King que sur la Ultra. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. On a l'inscription Forever Faster, le slogan si connu de chez Puma, qui a été utilisé maintenant cette fois-ci pour carrément présenter le pack en entier. Donc voilà, cette Puma King est très sympa. Pareil, elle ne change pas par rapport au dernier pack. C'est exactement la même paire au niveau technologie. Ce même cuir qui n'est plus animalier, cuir synthétique. On est sur une semelle crampon conique, permet de faire tout type de terrain. Donc vraiment, pépite, banger. Voilà, on a fait le tour. Très joli modèle. On enchaîne maintenant avec ma préférée. Du coup, là, mon soldat, je suis en train de te montrer deux modèle où tu captes un peu le délire des couleurs. Donc tu vas te dire, ben la future, ça va être aussi un délire orange. Ben pas du tout. Regarde-moi ce monstre. Celle-là, elle est magnifique. Elle est super belle. J'aime trop. Je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu vois, quand tu prends les derniers modèles, les dernières futures qui sont sorties, il y a en plus un changement avec ce gros 4 là. Oh, arrête de bouger. Le gros 4 bien présent sur l'extérieur du pied. Là ici, il était juste positionné sur le talon. Là, il est carrément en grandeur nature limite sur l'extérieur du pied, ça je kiffe de ouf. On a le FTR à l'intérieur comme ici, sauf que là je trouve qu'il est encore mieux travaillé. Dans chaque lettre il y a l'inscription Forever Faster, ça c'est fort, j'aime énormément. On a le 4 ici à l'intérieur, il y est aussi ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de différent? Non, il n'y a rien d'autre de différent. Ouais, c'est toujours la même semelle, c'est exactement la même chose. La bande de port tape est présente. Je te disais, la bande de power tape est toujours présente au même endroit. Peut-être que moi, j'aurais peut-être joué sur une autre couleur au niveau de la bande de power tape. Peut-être que je l'aurais mise vraiment dans cette couleur orangée pour faire ressortir la technologie. C'est un peu ce que je t'avais expliqué, ce que je trouvais dommage, qu'ils n'avaient pas forcément fait sur les autres modèles, qu'il avait fait d'ailleurs sur la Creativity. Tu vois, la Creativity, tu vois bien la bande de power tape qui se détache. Ben là, ça n'a pas été fait sur ce modèle-là et je trouve ça dommage. Même carrément, une bande de power tape full noir qui fait le rappel avec les 4 qui sont positionnés de partout sur la chaussure et le FTR, ça aurait été peut-être quelque chose de super costaud. Donc voilà, magnifique semelle, permet de faire du synthétique et de la pelouse. Le pack est très très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez les soldats, mais moi en tout cas je le trouve très sympathique. Si t'es un soldat fidèle et que tu regardes cette vidéo à la sortie même de la vidéo, c'est-à-dire à 19h sur la chaîne YouTube ce mercredi soir, le pack n'est pas disponible. Il sera disponible dans quelques heures à partir du lendemain, donc le jeudi 11 à partir de 9h du matin. Donc prépare-toi, c'est pour ça que je voulais te la présenter en avance. Comme ça tu vois quoi ça ressemble, tu vois s'il y a des différences
différence par rapport au dernier pack. Là, tu peux constater qu'il n'y a aucune différence. C'est juste le point de vue esthétique qui est juste modifié. Donc maintenant que tu sais tout, tu vas te préparer. Tu te mets en place sur foot.fr. Tu mets ton alarme, tu mets ton réveil. Et dès que c'est l'heure, tu prends ta paire. Bref, mon soldat, je te laisse me dire en commentaire si t'es plus Team Ultra, Futur ou Puma King. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo à ton service. Like cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Partage-la si ce n'est pas déjà fait. Et abonne-toi et active la cloche pour ne plus rien louper, mon soldat. Ça nous donne de la force aussi en même temps pour voir que vous êtes vraiment présents. La famille des soldats, ça grandit de jour en jour. Ça fait plaisir. On se tient au courant pour de nouvelles aventures. Bisous, mon soldat.